Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une expérience qui m'a vraiment touché. Jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis honnêtement, j'aimerais faire comme cette personne parce que ça m'a marqué. Je vous raconte l'histoire rapidement. Un jour, l'un de mes amis caroleurs m'a invité dans un hôtel 3 étoiles. Du coup, je n'ai pas hésité à répondre à son invitation. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, il a envie de prouver à ses amis qu'il a fait quelque chose de grand. Est-ce que vous voyez? Du coup, moi, je l'ai suivi pour voir ses exploits, pour voir exactement ce de quoi il est en train de me parler. Et voici que nous allons maintenant arriver dans cet endroit-là, à cet endroit. Et je vais remarquer qu'effectivement, c'est un hôtel vraiment très grand. Très, très, très grand. Et il n'y avait aucun hôtel de sa taille dans la ville où j'étais. C'était bien. C'était impressionnant. Et on continuait à évoluer. Quand nous sommes entrés dans la cour, juste à l'entrée de l'hôtel, nous avons croisé quelqu'un. Nous avons croisé une personne. Quand mon ami a vu cette personne, il a fait un signe de respect en même temps. Il l'a salué avec respect. Maintenant, moi, comme bon, je n'ai pas de problème avec ça, moi aussi, j'ai salué la personne avec respect, même si la personne était habillée comme moi. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ah! Quand on a fini de saluer la personne, à un moment donné, mon ami m'a appelé, il m'a dit, attends, 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 écoute-moi, est-ce que tu sais qui tu viens de saluer là? Est-ce que tu sais qui est la personne que tu es en train de dépasser? Il a dit non. Non, je ne sais pas, mais c'est qui? Et c'est là, il va me dire que le monsieur très simple, même habillé comme moi, peut-être même pire que moi, là, qu'on vient de dépasser, là, le monsieur sait même qui cause avec ses employés comme si c'était même ses amis, là. Ce monsieur-là, en réalité, c'est le propriétaire de l'hôtel 3 étoiles qui est en construction. J'étais là comme ça. Qui dit quoi, sérieux? Comment c'est possible? Parce que le gars, il était très simple dans sa manière de s'habiller. Très simple. Simple. Il était habillé comme moi. Regardez, regardez. Simple. J'étais étonné. Il dit, mais lui, il a un hôtel 3 étoiles comme ça. Et quand tu le vois, il est simple. Même quand tu vois la voiture dans laquelle il est là. Peut-être même que tu vas te moquer de lui. Si tu ne le connais pas, tu vas te moquer de lui. Tu vas dire, ah! Comment un être humain peut-il conduire une telle voiture? Une voiture qui n'a pas de sens même. Oh, vous voyez la voiture quand elle passe au quartier, là. Tout le monde entend le bruit du moteur. Peut-être que c'est un peu exagéré, mais c'est pour les gens pour dire que cette voiture n'était insignifiante. Il n'y avait rien sur lui qui pouvait prouver à quelqu'un que le gars, il était riche. Rien. Il était simple, sans façon. Il a salué tout le monde. Comment il a vu ça honnêtement? Ça m'a dépassé. Ça m'a étonné. J'étais là et je causais avec mon ami. Et on parlait que de lui. On ne parlait que de lui. On a même oublié même ce qu'on était venu faire même. Il m'a fait visiter les chambres. Jusqu'à la chambre la plus luxueuse de l'hôtel. En ce moment-là, moi-même, j'étais pas tellement. Moi, ça m'intéresse. En fait, je ne suis pas intéressé par le matériel. Le matériel, honnêtement, moi-même, là, à la base, c'est une chose que j'aime pas. Et c'est là-bas. C'est ce jour-là, le jour même où je suis allé là-bas, là, c'est là que j'ai compris que mon esprit n'aime pas les choses matérielles. Ce n'est pas de la blague. C'est ce jour-là que j'ai même compris ça. Sinon, vous savez que vous pouvez être là comme ça, puis vous ne savez pas exactement qui vous êtes, comment vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Il y a des gens qui pensent se connaître. Non, vous ne vous connaissez pas bien.
Et quand j'ai vu ça, j'ai moi-même compris que moi aussi, je ne suis pas loin d'être comme le gars. Et ça m'a encouragé à être une personne simple. Ça m'a tellement touché que vous ne pouvez pas penser. En ce moment, je ne sais même pas quel âge j'avais. Mais j'étais peut-être au collège, un truc de ce genre. Après le collège, il y a eu l'université, mais j'ai vu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, depuis là, j'étais tranquillement assis. Et quelque chose me pousse à venir vous raconter cette histoire. À venir vous expliquer mon expérience. Comment vous le dire? Je suis grandement impressionné. Impressionné par la manière dont le gars, il était simple. Depuis ce jour, je me suis même dit que même si Dieu permet que je devienne vraiment plus riche que riche, je m'habillerai de façon très simple. Très, 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 très simple. Mais très, 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 très simple. Respecter les gens, considérer les gens. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a plein de personnes, quand elles atteignent ce niveau-là, faut les voir en train de marginaliser les autres personnes, de raconter du grand n'importe quoi aux gens. Et ces gens-là se montrent tout le temps avec leurs biens, leurs voitures de luxe. Et vous voyez maintenant sur les réseaux sociaux, c'est devenu maintenant la concurrence. Surtout dans l'industrie de la musique. C'est comme je joue au Nigeria, des stades de la musique au Nigeria. L'autre veut montrer qu'il a telle voiture. Et chacun montre ses voitures de luxe. Et puis, à un moment donné, quand les deux se rendent compte qu'ils ont les mêmes voitures, ils vont maintenant pour voir qui a le plus de trophées que l'autre, qui a le plus de réalisations. Ce sont des choses éphémères. Ce sont bien évidemment des choses éphémères. Ce n'est rien. Les voitures, les belles maisons, ce sont des accessoires. Ce sont juste des accessoires. C'est comme... Ce n'est rien. Voilà. Même tes poils sont mieux que ça. C'est pas de la blague. Il faut vraiment apprendre à être humble. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que l'humilité, l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Le monsieur était déjà dans la gloire. Il n'a rien à prouver à qui que ce soit. Mais malgré ça, là, il était toujours humble, tranquille dans sa tête, dans son esprit. Que pensez-vous de son attitude? Est-ce que vous sentez que vous êtes aussi humble et que vous aimez tout le monde au même titre? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti.